Saint-Cyprien est un des centres les plus en vogue aujourd'hui. C'est un site qui fait 12 hectares. Il y a 200 gîtes des hébergements en structure en dur. Et on a la partie campeur qui regroupe donc des gens qui viennent en caravane, sous toile, ou même maintenant en camping-car. Comme il date de 86, il y avait une nécessité de restructurer et de rénover les hébergements. Ça a l'air plus grand, mieux aménagé, puis il y a la clim. Les premières fois on est venu, c'est il y a 11 ans déjà. Et c'est vrai que rien n'avait changé en 11 ans. Et je pense que ça va faire un bon coup de renouveau. Ça va vraiment faire du bien. Ouais. On a privilégié donc l'espace à vivre, plus spacieux, avec le coin salon. Pour l'instant, il y a eu 10 gîtes de rénovés. Il va y avoir un qui va rester un gîte témoin pour toute la saison. Et à partir du 14 juillet, les 9 autres vont être mis sur le réseau. Avant, on avait une toute petite ouverture. Maintenant, on a une large ouverture. Sur la pièce de vie, double rideau. Sur les chambres, volet roulant. Toutes les menuiseries sont neuves. Toutes les façades ont été rénovées. C'est extrêmement important que les outils dont disposent les électriciens et gaziers pour partir en vacances soient rénovés, pérennisés sous toutes leurs formes. De façon interne, comme nous le faisons là, exclusivement CCAS. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Cyprien pour rencontrer les vacanciers, comme nous le faisons partout. Et il se trouve que nous avons rénové une dizaine de gîtes à Saint-Cyprien pour lancer la rénovation globale du site. Bonjour à tous et à toutes. Il y a 7 millions d'euros qui vont venir là pour faire les gîtes, pour permettre aux électriciens et gaziers de se sentir chez eux et bien lorsqu'ils sont chez eux. La rencontre avec les bénéficiaires, c'est toujours un moment extrêmement important. D'abord parce qu'on est électricien et gazier, qu'on rencontre ses collègues. D'abord, ils sont en vacances et puis il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et donc ils nous en font part. Et puis, il y a tout ce qu'ils entendent tout le reste de l'année. Nous faisons faire la démonstration que la CCAS a de l'avenir. On investit, on rénove, nos équipes tournent. Là, de l'autre côté, on manque de place complètement. Là, il y a... franchement, c'est nickel. C'est le rêve. Hein. Avec la cristalle, en plus. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, là ? Voilà, ouais. Sympa. On voit qu'effectivement, dans les gîtes actuelles où on est, on a des gîtes convaincus, je veux dire, donc il faut renouveler régulièrement. Parce que là, c'est quand même mis au goût du jour. On voit que là, on a des WC suspendus, on a des grands frigos, puis la climatisation. On est dans l'autre, là-bas, dans le fond, ça change tout. Hein. Bah, la différence, c'est que c'est propre, clair, il y a de l'espace. Ça donne envie de venir en vacances. Dans un camp de vacances comme ici, c'est fabuleux. Très bien. Ça va leur donner une nouvelle jeunesse. Et puis aux gens, l'envie de revenir là, sur tout ça. Les électriciens et gaziers respectent la CCAS, la CCAS se doit de les respecter. Et derrière, ces rencontres, le débat, écouter leur avis, ça fait partie du respect réciproque qu'on se doit les uns et les autres dans cette grande maison que sont les activités sociales.